Je veux savoir ce que la sorcière elle veut me faire. Hein. Parce que quand vous voyez sa tronche, vous vous dites qu'elle est passée quand même par la case chirurgie. Hein, voilà. Elle est passée par la case remaster, voilà. Elle est passée par la case remaster. L'aventure continue. L'aventure continue. 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 Putain, c'est faux. Hello, bonjour à tous, à toutes et bienvenue. 3500 joyaux. Eh, on a un compte rond. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui est rond dans ce jeu, c'est pas mal. Hormis les œufs, bien sûr. Eh bah oui, on se retrouve pour dans la joie et la bonne humeur pour une nouvelle vidéo de Spyro Reignited Trilogy. Mais regardez cette ambiance. Écoutez cette mélodie. Je sais, Spyro, ça te fatigue. Moi aussi, je suis fatigué. J'ai chaud. Donc, interdit de cracher. J'ai dit interdit de cracher du feu. Sauf cas exceptionnel. Ah non, là, je vous avoue qu'il fait quand même assez sourd. Oh, bonjour, contente de te revoir, Spyro. Cette méchante sorcière a volé les plans de la fusée du professeur et je suis en mission secrète pour les retrouver. Handel était censé me retrouver ici, mais il n'est nulle part. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Elle ressemblait à ça, Greta Thunberg, quand elle était jeune, d'accord. Ok. C'est sympa de l'avoir inclus dans le jeu. Bon, personnellement, j'aurais forcément préféré sa mère, hein, voilà. Qui, pour ceux et celles qui ne le savent pas, a fait l'Eurovision, forcément, et c'est, soit dit en passant, la première chanson qui m'a fait chialer. À l'Eurovision. Donc ouais, elle avait fait fort. Donc forcément, je la retiens. Oh. En tout cas, feu d'artifice, forcément, c'est... Ninja. Désolé pour cette référence Taxi 2. Mais, c'est surtout un des niveaux que j'aime particulièrement, non seulement pour la musique, mais aussi pour l'ambiance générale, voilà, qui est vraiment sympa pour le coup. Même si les deux héros principaux qu'on retrouve qui viennent de Brasier, ben voilà. Par contre, eux ils sont totalement... Ah oui, non, mais ils viennent tout le temps quoi. Mais ça va arriver de partout les ninjas. Ah oui, c'est ça, ils viennent de la porte là-haut, ok. C'est bon, ça vient de là-haut. Comme dirait l'autre, ça vient de là-haut. D'accord, c'était un bug, petit Spyro. Même ça, c'est que de... Ouais, c'est que de la déco. C'est que de la déco, petit Spyro, c'est que de la déco. Ah ouais. Bon. Je dis pas non. Je ne dis pas non. Bonjour, au revoir. Bonjour, bonjour. Au revoir, au revoir. En tout cas, vous, j'espère que ça va, hein, que vous n'avez pas trop chaud maintenant. Parce que bon, il y aura quand même un peu de temps que ce sera passé depuis ce... Depuis le moment où j'aurais tourné, hein. Ne m'en veuillez pas, de toute façon c'est pas comme si vous aviez le choix, et il faut aussi que je me prépare quand même pour quand je serai en congé, parce que c'est pas dit non plus que je sois indisponible, je vais dire indisposé, bien sûr, bien sûr. C'est bon, j'ai bien... J'ai beau avoir... D'accord, ok, ouais. J'ai beau avoir prévu des congés, hein, on n'est jamais à l'abri avec ce corona, donc surtout en ce moment. En tout cas, le missile, El Missilos, est-ce qu'il peut être utilos? Attendez, y a une idée, pas très utile, mais pourquoi pas quand même. Je pensais que ça passait. Ne m'en veuillez pas d'avoir essayé, bon. Voilà. Eh, en vrai, le faire comme ça, alors que j'avais encore mis des joyaux ici, c'est merveilleux. Le faire comme ça, vous... Est-ce que vous y avez pensé? Hein? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ah, félicitations dans ce cas. Sinon, bah, vous venez d'apprendre un truc. Voilà, sur comment faire arrêter de popper les... L'inimi. Oui, l'inimi. Attention. Ce serait dommage de se louper. Bon, PF, quand tu sauras viser, reviens me voir. Signé Spyro. Alors ici,
il n'y avait rien, que de la déco. Toujours de la déco, de toute façon, c'est... C'est le jeu de la déco, c'est ça, c'est le jeu de la... De la Damido. Non pas, c'est le jeu de la Tamitlo, c'est pas la même chose. Ah, j'avais bien vu que c'était un œuf, le cimetière, c'est un décor ou quoi? Non, non, hello! Bravo, tu as fait Noodles! Oui, ça faisait 13 Spyro 4. D'ailleurs, Jérémy, je me demande où t'en es dans ce fameux Spyro 4. Un Spyro Hunter the Dragonfly, parce qu'on n'est pas encore à l'abri non plus, qu'il faut qu'il nous fasse un... une info réelle sur Spyro 4. Avec un vrai Spyro 4, hein, voilà. Pas un... En pitié, faites pas un remaster de... Spyro 4 original, parce que là, dans ce cas-là, on est foutu. Parce que... Faire un remaster d'une bouse, est-ce que ça conduit forcément à une bouse? Je pose ça là, vous avez 4 heures. Oui, je pose une bouse. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Pas pour la bouse, pour répondre à la, pour répondre à la question. Ah, c'est que je me surprendrais moi-même. Par contre, oui. Je sais pas, niveau déco, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont pas finis ici. Je pense que c'est qu'une impression. Je pense que ce n'est qu'une impression. Ah bah j'avais raison. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Spyro. Happy birthday to you. Admirez mon accent anglais pourri, oui. Et encore, vous avez de la chance. Ceux et celles qui regardent Rayman Redemption, bah... Eux ils peuvent vraiment se plaindre, vous voyez. Parce que là pour le coup c'est vraiment méchant. Ouais. Ah non, là pour le coup il morfle. Hein. C'est du morflage en règle, oui du morflage. Ne demandez pas d'où ça vient. Je dis il faut pas trop m'en demander. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a-t-il un qui est... Ah non c'est bon, j'en avais buté aucun des deux, c'est pas mal. Ici, il y a la suite. Ah bah, tu sans doute, oui. Tu sans doute, petit pignouf là. Et tout ça pour ça, d'accord. Et ben voilà, c'est beau. Oh, c'est beau comment ça explose. Oh, c'est magnifique. Je suis totalement ninja fan. Oui, ninja fan. D'ailleurs, coucou Crash fan. Voilà. Apprends à viser, t'auras l'air d'un coureur. Putain, il y en a un qui était... qui visait bien, quoi. Ah, mais en plus, c'est des vrais ninjas, quoi. Ils arrivent comme ça derrière vous, devant vous. C'est magnifique, c'est génial. C'est cool. Mais s'ils arrêtent pas de popper, je vais pas arrêter d'avoir des joyaux, alors. Hein? On va essayer. Je crois que tu dois utiliser ce canon pour passer de l'autre côté. Tu n'as qu'à monter à bord. Quant à moi, je dois me vider l'esprit. Oui, ça devrait pas être difficile. Est-ce qu'elle a de l'agilité pour... Pour quel âge elle a d'ailleurs? Bon, on va lui dire 8 ans, hein, voilà. Merci Zoé, quel plaisir quand tu ne parles pas. Ouais, j'adore tellement cet endroit qui, certes, le fond n'est pas forcément des plus complexes, hein, mais alors c'est quand même vachement joli. Mais ce niveau a quand même une certaine particularité qui me fait grincer, je vous avoue, ça m'inquiète. Ça me s'inquiète aussi, oui. Alors, il y a quelque chose par là. La suite, elle est par là. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, c'est bon. Allez, hop, on a explosé tout le monde. Et pas mal. Ah non, c'est pas là la suite, Spyro, c'est là. Je crois que c'est les boutons là, sur lesquels il fallait appuyer, mais au bout d'un moment, on va dire. Merci. Voilà. Voilà, il commence à exploser, c'est tellement génial. Je suis totalement fan. Voilà.
Wouah! Non mais j'adore l'effet. J'adore l'effet de. L'effet de feu d'artifice. Vraiment. J'entends un gars qui est en train de s'exciter alors que je suis un peu de l'autre côté, mon grand. Je suis un peu de l'autre côté. Oui. Par contre, je crois que c'est pas celui-là le plus intéressant. Donc on ira après, hein. Et voilà, on va douiller. Oh oh, tu vas devoir utiliser ce bonus de combo pour éliminer ces dragons de feu. Il te permet d'utiliser super vol et super flamme en même temps. Alors déjà, de 1, c'est pas... Ah oui, c'est dragon de feu, j'ai compris, ce dragon de feu, j'étais prêt à dire, il y en avait deux, connard. Mais bon. Juste avec la maniabilité, tu crois vraiment que je vais pouvoir y arriver? Quand même, ça c'est ce qui s'appelle se faire défoncer. C'est ce qui s'appelle vraiment se faire des défoncer. Là, pour le oh non, mais là c'était une violence inouïe. Désolé pour tous les bruits de clic que vous allez pouvoir entendre. Alors, ils ont fini. Ah non, lui il fait un grand tour en fait, c'est ça. Lui il fait des grands tours. Oh la vache. Ah non, ah oui c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ça va être extrêmement long ce truc en fait. Ouais. Ça va être extrêmement long. Et vous voyez, c'est le pire niveau de ce. Le pire niveau bonus de ce jeu, littéralement. Ouais. C'est un 5 étoiles et c'est totalement mérité. En fait il suffit juste de le suivre quoi, c'est ça. Pas vraiment vu qu'il est très rapide. Il est très rapide, vous n'aurez pas le temps de descendre. Oh là là là. Eh, celui-là, vous l'avez pas vu venir quand même. Vous vous êtes dit, ah, il est foutu là. Ouais, sauf que non. Non, pour ça. Je pensais pas qu'il allait repartir si tôt, lui. Oh là là là. On aime jouer avec le feu. Hein. En vrai, faudrait se concentrer sur un plutôt que deux là. Le problème c'est que je suis rentré, je peux pas repartir. Le problème c'est que ça repop aussi tellement vite que je peux vous assurer que celui-là il va vite me gonfler en fait. Thank you. D'un iota. Oui, j'arrive à vous sortir iota aussi. Oui, c'est... Aïe aïe. Foutu. Bon. Écoutez, c'est exceptionnel. J'ai pas envie de me casser la tête aujourd'hui. Hein. Pas avec ça. Voilà. C'est pour que ça prenne une demi-heure aujourd'hui, c'est pas la peine. Donc je vais ramasser les gemmes, puis on verra une autre fois. Voilà. Je veux bien tout ce qu'on veut. Hein. Mais au bout d'un moment, un niveau comme ça, où vous n'êtes pas capable de corriger des trucs, alors vous avez corrigé autre chose, hein, au bout d'un moment, je suis désolé, je veux bien, mais il y a des limites. Voilà. Il y a des limites. Vous n'avez pas été capable de corriger, et ben tant pis. Alors c'est peut-être un rush kit facile, je l'avoue. Mais voilà. Quand on simplifie certaines choses qu'il était forcément déjà. Qu'il était un peu déjà de base, il n'y a pas d'intérêt. Hein, et quand là on laisse. Carrément le truc hyper compliqué, je suis désolé. Là, là non, là c'est juste pas possible quoi. Juste un nope. Alors attends, il y en a encore un ici. Ah, y'a pas de joyau dedans. D'accord, je pensais.
veux plus que ce soit timé en plus cette merde. Oh, ça va pas leur donner des idées comme ça dans la tête, toi, ben. C'est pas bien, non? Oui, c'est vrai, il me reste là-bas du coup. On peut aussi se casser en volant, et ça c'est beau. Pas tous les jours que ça arrive, et c'est quand même magnifique. Mais ouais. Eh ouais. Par contre, je crois qu'il faut rentrer dedans. Non. Non. Même si on rentre pas, la charge pas Spyro, on ne rentre pas. J'ai pas de machin, ça va nous récupérer s'il y en a un. Et d'autre côté, donc c'est pas grave, tant pis. Aussi grave, hein, vous inquiétez pas, voilà. C'est pas... Je m'y attendais. Je m'attendais à ce que ça soit chiant, que... Vous étonnez pas, là honnêtement, non, vous étonnez pas que... Que je fasse ça et que j'ai eu la... Pas la rage facile, non. C'est... Juste que aujourd'hui, j'ai pas envie de m'embêter. Puis si vous êtes pas content, vous avez qu'à le faire. Ben, n'y pense jamais ça, mais si vous râlez, bah vous avez qu'à le faire. Et vous me pliez la sauvegarde derrière, évidemment. Ni vu ni connu, genre, tu sais. Je tente des choses, j'essaye, hein. Pas dit que ça passe, mais bon. On dirait que la sorcière a déjà utilisé les plans pour construire sa propre fusée. Il faut qu'on la détruise. Suis-moi. Détruire quoi, la sorcière ou... Ah oui, oui, on a fait la fusée. Alors déjà, le fait que l'œuf n'ait rien, c'est un miracle. De deux, elle avait pas du tout besoin de moi pour cette mission. Pourquoi je suis venu? Pourquoi tu m'as fait venir? Me sauver Grady. Grady. Ario Grady à la limite, mais désolé, je n'ai pas mieux. Si tu vois Andel, dis-lui que je suis reparti au lac du soir pour finir de travailler sur la fusée du professeur. Vas-y, vas-y, casse-toi. Par contre, à l'intérieur, il y a forcément quelque chose d'intéressant. Ah ouais, non. Ah, donc il est... C'est pas... Ouais, d'accord, ok, oui. Bien compris. Ah oui, en fait, j'ai tous les... quand même tous les joyeux à récupérer, quoi. Elle passe, mais elle me prend les joyeux qui vont avec. Hein. Bon, vous me direz heureusement, parce que bon... Au bout d'un moment, c'est mes joyeux, c'est pas les tiens. Hein. Et forcément, là, il va m'en manquer, donc... Foutu pour foutu, autant partir, hein. Pense après. Par contre, je ne suis pas en contre rond. Ouais, 3828. Ah, c'est pas du tout rond là pour le coup. C'est pas du tout rond. C'est pas du tout rond. En tout cas, ça fut relativement rapide hein, comme niveau. Hein, sans les... Eh ben oui. Forcément, tu fail pas, donc forcément, il y a moins de. C'est plus rapide, hein, ouais. Logique. Bon, par contre, il y a un truc qui m'intéresse, que j'ai un peu zappé dans la dernière vidéo. On va vite se dépecer. Ah, on va vite se dépecer, vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va le faire. Alors, les jardins de midi, les jardins de midi. Le jardin des 12 coups de midi, forcément, aussi, oui. On sera accueilli par Jean-Luc.
J'aime bien comment Spyro il est raide hein, quand même sur son. Sur son espèce de ballon là. C'est pas forcément un ballon aussi. Non, je sais pas comment ils ont appelé cette merde. Je sais pas comment ils l'ont appelé ce truc. À la limite, dites-le moi en commentaire, ça serait sympa pour la culture personnelle, parce que j'ai un peu zappé. Mais ouais, je vous avoue que j'ai totalement. Totalement paumé le nom là. Ah, mais là, là, mais c'est la foire du. La foire du paumage. La foire du paumage. Parce que du coup, je pense qu'on peut faire ce niveau là. Non, pas celui-là, même si oui, en fait, il y a aussi le circuit. Oh non, circuit champignon, j'avais déjà fait, c'est vrai. Par contre, ça, je peux faire. Oh là là. Alors, oui! Ça fut rapide. L'aventure continue! Wouhou! Oh, mince. Ah, je suis pas forcément en joie là pour la coup. Parce que je viens de me rappeler cette super maniabilité. Ah, ça donne envie. Ah, la maniabilité, elle donne. Elle donne envie! On sentait tout de suite que c'est plus difficile. D'accord. Chargé! C'est des araignées, ça? Ah oui, c'est des araignées. Bon, ça va, elles sont moins dégueulasses que dans l'original. Le niveau, il est quand même mieux. Bon, j'ai rien dit, c'est toujours aussi dégueulasse quand même. C'est un peu moins dégueulasse, mais c'est toujours aussi dégueulasse pour autant. Voilà, vous voyez, quand ça casse, ça casse. C'est bien quand ça casse. Oh la vache. Ça, quand c'est rapide, c'est rapide. Là, non. Par contre, vite dépêche-toi parce que j'ai un bouclier. Merde, boulette. Boulette, mon Sparks. Sparksinator. Allez, Sparksinator, vas-y. On y va. Allez, non, ah, ouais, non, mais le type, il y va. Quoi. C'est cool du coup, tant que je pars à gauche, ils viennent pas. C'est sympa ça. Eh, j'ai compris l'astuce hein. Ah, y'a de l'astuce comprise là. Ouais. Berk. Oh, berk. Double berk. Ça, c'est berk. Oui, Harold. Oui, Harold. Ça, c'est berk. Alors maintenant qu'elle est détruite, on peut y aller. Voilà, voilà. Continue de tirer parce qu'on sait faire que ça de toute façon hein. Bon, une fois que Sparks est utile on va le faire quoi. Oh la vache. Oh la vache. Ah bah c'est rapide dis donc. Tellement simple. Tellement simple en fait ce niveau. Vous voyez, là ils ont quand même beaucoup simplifié la tâche. Ou alors c'était moi qui étais nul dans le premier volet. Dans l'original. Mais ouais, là non, c'est bien plus simple et bien plus sympa du coup. Par contre, il manque quand même une touche accélération. Hein. Il manque quand même une touche accélération. Moi je dis ça, j'irai. On se garde ça exprès pour le boss. On se garde tôt pour le boss, j'ai dit. Tôt pour le boss. Tôt pour le boss. Voilà. On y est presque. Ne vous inquiétez pas, ça va vite arriver. C'est un niveau qui est relativement court. C'est pour ça que je le fais maintenant et quand t'as pas un autre niveau. Parce que notre niveau, ça aurait forcément été beaucoup plus long. Tandis que là, ça va tout de suite beaucoup mieux, quoi, vous voyez. Pas par là qu'il fallait aller. En plus, ce qui est bien, c'est que ça vient pas non plus par masse, donc c'est pas non plus
terrible, terrible, vous voyez. Ah, c'est pas par là, d'accord. C'est par de l'autre côté. Oh putain. Eh, je me suis retenu, ça va, ça me change. Salut. Oh la vache. Parfait, voilà, voilà. Ah non, non, on est bien. Là, honnêtement, je vous dis, on est plutôt pas mal. On est vraiment, vraiment pas mal. Ah, je vous surprends dans ce niveau, hein. Je ne crie pas, je ne rage pas. Je l'ai dit dans ce niveau, hein, voilà, pas le niveau précédent. Faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus, hein. Voilà. Me demandez pas, je suis en train de péter un câble. Je suis en train de péter un câble. Et j'ai encore Rayman et Ori à tourner derrière, c'est fantastique. C'est bon, j'ai entendu casser. On a cassé le pot. C'est pas de pot. On a cassé le popo. Du coup là c'est boss. Alors, c'est pas encore Bobos. C'est pas encore Bobon. Bobos, pardon. Ah ouais, ah oui quand même. Ah ouais non mais là, là je me suis fait, là honnêtement je me suis bien fait avoir. Ouais, ouais je me suis bien fait avoir là pour le coup. Ah ils ont bien joué. Ah c'était pas facile à faire mais ils ont bien joué. Merci pour la vie. J'espère que ce sera suffisant pour le boss parce que sinon pas dans la. Mais surtout, surtout vise un patate. Ah non mais ça va, c'est quand même cheaté là le truc. Ah non mais là mais c'est ça va, c'est. Honnêtement j'ai pas à me plaindre hein. Bon elle est toujours aussi moche hein, je dis pas, toujours aussi dégueulasse. Et on a sauvé Tutti. Tutti. Tutti Frutti. Oh rule, tutti frutti, oh rule. Oui bon ok ça va. Y'a mieux hein je sais mais bon, pas tous les jours qu'on peut chanter du Elvis Presley, hein, voilà. Et par contre j'espère avoir le. Combien? Je disais aussi que ça se passait un peu trop bien. Hein. Je rêve d'une touche accélération dans ce niveau. Non, genre vraiment. Bon, allez, de toute façon, j'ai. De toute façon, il n'y a plus d'ennemis, donc à quoi ça sert de garder la main là-dessus, hein, voilà. Alors, ça, c'était fait ici, voilà. Alors, si j'étais au début, je vous avoue, c'est la loose. S'il était au début, alors là. Je finis la bouteille. En même temps, il reste pas grand chose. Ah, mais alors là, je finis la bouteille quoi. C'est... Je crois qu'on est, je crois qu'on est parti pour en fait. Hein, c'est. Honnêtement, je l'aurais vu quand même. Enfin, vous me direz non, vu ce que j'ai raté dans. Ouais. Vu ce que j'avais raté dans. Que j'avais raté comme cage en Rayman Redemption que j'ai vu au montage, je me suis dit, punaise, mais tu le vois, c'est complètement là au milieu de ta figure là. Et pourtant, je l'ai raté. Ouais. Et pourtant, je l'ai raté, mais alors de façon incroyable. Hein. Ouais. C'était bien invisible à l'écran. Et pourtant, totalement passé à côté. Et du coup, on va pouvoir se laisser. Voilà! Aventure continue. Et donc c'est ainsi que ça achève cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que j'ai dit comme pouvoir maintenant? J'ai pas envie de retourner voir toutes ces araignées. Moi non plus. Bon, par contre c'est cool. Je me dis pas ce que j'ai gagné. Tu me sers à quoi en fait? Désolé. On retourne dans le lac du soir. Lac du soir. Bonsoir. Au revoir. Merci, merci, bisous, bisous.
Pour la semaine prochaine. Pourquoi je fais un signe, vous voyez rien?